beginning, Luke. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Killing Room, chers amis. Nous allons donc partir avec un nouveau jeu, cette fois-ci avec Elliot Killer Fisher. Au haut de ses 187 cm, donc 1m87 et pesant près de 71 kg, il est équipé de nano-chaussures, donc qui sont des chaussures qui mesurent 0,00000001 m. Alors réfléchis bien avant de les mettre, avant de les commander chez Nile, parce que c'est pas chez Nike. Bon. D'ailleurs, c'est pas ce mois-ci que les Nike de Retour vers le futur arrivent, justement, les Nike, comme ils disent, aux States, arrivent justement en commande. Je ne sais plus. J'ai un peu zoomé la cam, alors du coup, toutes les merdes que j'ai au niveau de mes cheveux vont se voir. Blablabla. Voilà. Je la sens de là déjà. C'est pas grave. Allez, on y va. Hop. Crac. En espérant qu'on aura plus de chance qu'hier. Crac. Hop. On y va. Hop. Dégagez. Hop. Voilà, ça commence bien. Là, je la sens bien, celle-là. On y va. Hop. 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 Quick shot. Boum. Merci pour les munitions. Là, on a de la santé supplémentaire. Ça m'intéresse pas. Hop. Merci de bien fermer la porte derrière moi. J'évite de passer sur le piège de la tapette à souris. On l'a pas encore pris, hein, cela dit, mais... Ah, c'est tout ça pour qu'on tire sur le mec. Voilà. Eh ben, je l'ai pas fait. Ah, je voulais qu'elle me regarde, dommage. Hop, boum. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu là-dessus? D'accord, cool, sympa. S'il y a un deuxième explosif, j'ai envie d'essayer un truc. Hop. Stam, on dit d'essayer, du coup j'essaye, mais non, ça marche pas. Alors, je peux prendre 2000$ si je veux, je reçois une clé supplémentaire pour 20 de popularité. Non, on va essayer de jouer la popularité quand même un minimum. Hop, bonjour. Accro du shopping, tu adores acheter des trucs, tu gagnes un point de plus dans la catégorie boutique après chaque niveau. Oh, cool. Bon, bah rien que je n'ai pas déjà, donc bah écoutez, on va continuer. Vous m'avez dit d'essayer d'appuyer une fois sur la... Ah, ça ferait bien une esquive, vous avez raison. Aïe, merde, quel con. D'accord, je peux esquiver, je peux sprinter aussi sur les côtés, exactement. D'accord. Ok, bah pourquoi pas, on essaiera ça face à la... au bonhomme de neige. Alors, est-ce que nous avons un objet sympathique au sol? On avait ça, c'était pas trop mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Hop. On va aller en haut vu qu'on voit à peu près ce qu'on a en bas. Boum. On s'en sort assez bien. Désolé pour la table, j'espère qu'il n'y avait pas un truc sympa dessus. Ouh, ça me dit quelque chose, Halloween Bat. They spilled your blood and now you'll spill theirs. And drink it, monster. Donc... Ils ont sucé ton sang et maintenant tu vas sucer le leur. Bouais. Enfin... non, ils ont fait... Ou alors Spitz peut-être le faire couler. Ils ont fait couler ton sang et tu vas faire couler le leur. Et le boire, espèce de monstre. 20% de chance de gagner un point de santé pour chaque ennemi que tu tueras. Sorry. Hop, on verra bien si c'est efficace ou pas. Piège. Ok. Je déteste ces saloperies. Il y avait un truc là-bas, mince. Boum. J'ai pas récupéré de santé du tout sur tous ces mecs là. C'est génial, 1900 pièces, c'est toujours ça de prix. Pas de coffre, eh ben écoutez, ah, attendez. Hop. Bon. Faut ça stylé de pouvoir les mettre sur les côtés pour les faire rouler, je trouve ça vraiment cool. Le boss. Hop, on a les munitions pour, de toute façon. Hop, et il se met à pleuvoir chez moi, c'est la fête. Bon,
Hello there! Toujours aussi énervé, toi, hein. Faut vraiment que tu penses à te calmer. Stat en ligne, mise à jour quotidienne. T'es sérieux? Mais non, mais. Salaud! Salaud, te dis-je! Mais tu vas mourir, oui? Voilà. Il m'a pété toutes mes couvertures. Je veux pas dire, hein. Mais quand même. C'est la première fois qu'il me fait ça. Hop, qu'est-ce qu'on a là-dedans? De l'argent supplémentaire pour 1900 pesetas, c'est cool. Un seul pack de santé, c'est dommage. Hop, mais bon, c'est pourquoi pas. De toute façon, on a un point de plus à la boutique, donc ça devrait pas être trop mal. Hop. Et nous avons gagné les mains élastiques. Tu peux ramasser des jouets de plus loin. D'accord. Hop. On va essayer de jouer la popularité. Parfait. Donc je vais mettre 2 points en défense. Voilà. Et ici, je vais mettre là, comme ça. Hop. Et la suite. Ça va bien. Difficulté du niveau généré de 0%, ça serait cool. Non? Non? 36, vous êtes sûr? Ok. Recharge. Et on y va. Ce serait cool qu'ils donnent des skins ou alors que les mains changent suivant le personnage, tout ça. Genre que t'entends, parce que si on a un noir, on pourrait avoir des mains. Oh merde. On pourrait avoir des mains noires, disais-je. Hop. Hop. J'étais peut-être stupide de maxer ma santé, sachant que je pouvais avoir ce genre de salle qui pourrait me régénérer ma santé rapidement, mais bon, c'est fait, c'est dommage. Wow! Boum! Alors, qui c'est qui reste? D'accord. Boum! Ça c'est fait. Ok. Bon bah jusque-là, ça se passe assez bien. On va aller vérifier quand même ce qu'il y a au niveau de cette de la santé. Donc je vais attendre avant de la récupérer. Hop. La pièce. Que voilà. Hop, les ratés. J'ai vraiment pas de bol sur mes lancers là, hein. Oula, je l'ai vu se rapprocher de moi. Hop là, ça c'est fait. Vous voyez, plus 1% de santé. J'aurais pu profiter de tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là? La tapette à mouche. Non, c'est pas la peine. Merci du cadeau, mais non merci, ce n'est pas un cadeau. Merci, mais non merci. Hop. Bon, ça se passe assez bien là pour le coup, là. On va pas se plaindre. Oups, ça n'a pas suffi. Aïe! Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Boum! Voilà. Pas de santé sur ce coup-là, forcément. C'est souvent comme ça. Quand t'as des coups, quand t'as des points de PV en moins, bah forcément tu récupères pas de santé. Quand t'en as déjà trop de PV, t'en récupères. D'accord. J'ai été touché une fois. Boum! Il en reste un? Il en restait un, effectivement. Pas de points de santé supplémentaires, voyez encore une fois. On va récupérer ce qu'il y a dans la boîte, quand même. Dans les 4300, est-ce que j'ai quelque chose qui vaut les 4300? Billets de loterie, non. Dommage. On y va. Les yeux de Shinigami! D'ailleurs, c'est bien Ryuk, hein. Les Kira tuerait pour en avoir des comme ça, tu peux avoir la santé de qu'il reste à chaque ennemi. Ouh! Ouh! C'est génial ces références! C'est génial ces références. Donc référence à Pokémon, non je rigole. Référence Alors, je sais pas si j'ai fait... je me rappelle plus si j'ai fait cette room. Oui, je l'ai fait. Référence à Death Note. Je vais pas récupérer la santé pour un point.
Hop. Ah oui, d'accord, je vois la petite barre de PV au-dessus. Hop, c'est bon. C'est bon, c'est prêt. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On s'en sort vraiment très très bien pour le coup là. What? Hop. Oh putain, il y a encore un. Et vous avez raison, ça marche. Hein. Vous avez raison, ça marche. Le sprint sur le côté, ça marche. Pour esquiver la glace. GG. GG, chers amis. Merci à vous. Vous êtes vraiment toujours aussi utile. À chaque fois que je vous demande un truc, vous avez toujours la réponse. C'est vraiment génial. Alors, vous améliorez la vidéo pour tout le monde. C'est cool. C'est franchement cool. Merci. Hein, merci. Merci de tout cœur. C'est incroyable, ça. Dès que je demande un truc, j'ai ma réponse. C'est génial. Merci. Sincèrement, merci. Du plus profond de mon petit cœur. plus 4% de munitions, ce qui équivaut à rien du tout vis-à-vis de ce gun. J'ai 60 points. J'aimerais bien en fait avoir tout simplement le max de commande de trucs pour avoir deux objets à la fin de cette. Wow. Ça y est, je suis passé. Oula. Rien là-dedans. Hop. Et une fois arrivé en haut, qu'est-ce qu'il y a? Oups. Oups. Il reste plus que ces trous du cul. Hop, c'est fait. Ok, la roue de la fortune. Si ça me tue, j'ai vraiment la haine. Alors j'aurais préféré rien à un mauvais item. Full metal jacket est ramassé. Qu'est-ce que c'est? Moins 3% de vitesse, moins 3% d'endurance, moins 3% de santé. Quel lourd fardeau. Dommage. Dommage, dommage, ça se passait bien jusque là. J'ai 60 balles. Enfin non, 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 j'ai... encore moins de balles en fait. On y va. Et bon, si on a la technique pour l'esquiver, ça peut être bien. Hop, ah merde, je l'ai passé, c'est vrai, je voulais pas le passer. Aïe. Oh, ça m'a... Oula, je suis mauvais. J'aimerais bien comprendre comment elle gère ses... Aïe. Hop. Dommage. Je préfère l'avoir le niveau. Hein. Hop. Elle a des pics qui lui tombent sur la tronche. Hop. Ah dommage, j'ai couru dedans celui-là. Hop. Ah la vache. Il faut pas rester appuyé sur le bouton pour esquiver. Faut vraiment mâcher le bouton splash. Ah merde, là je me suis fait avoir. Ah la vache. Elle est d'une précision. Ah vous voyez, regardez, elle fait plus que ça parce qu'elle sait que ça me touche, la salope. Ah la vache. Allez Marcus. Il fait pas de dégâts ce flingue. Hein. Hop. J'ai plus d'explosifs autour, j'imagine. Hop. Ok. Aïe. C'est dommage, moi qui voulais avoir le bonus. Et là, le prochain chargeur, elle est bonne. C'est bon. Oh, le dernier tir. Hop. Moi qui voulais avoir le bonus, je suis vexé. Je veux bien l'admettre. Mais bon. Alors, par contre, 5, un pack de santé, ça m'apporte 5%. 3 packs, ça m'apporte que 10%. Bien joué, le jeu. Ça avait compté. Alors. Bon, c'est pas grave. J'aurais pas mes deux cadeaux. Défense plus 4%, c'est cool. Merci.
Hop. Du coup. Hop. Du coup. On va faire ça comme ça. On verra bien. Ah oui, parce que j'ai 4% de santé en moins, c'est vrai. Merde, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi je m'arrête, je me bloquais à 43%. Ça pue. Ça pue. Ok. La suite, c'est par là. Hop. Allons-y. Ah putain! Je déteste ces saloperies! Je les avais pas vus, hein. Je vous jure que je les avais pas vus. Hein. J'entendais le truc, je me disais merde, c'est quoi ce bordel? Mais j'ai pas percuté du tout que ça pouvait être ça. Utilise ces paramètres. 0,287. Oui, c'est simple en fait. Parfait. Oh, canard! Canard sauvé, plus 20 points. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai. Exact. Moi, j'aime bien ces pièces avec des énigmes. Il n'y en a pas suffisamment, je pense. Mais merde! Tu me saoules! Hop. Hop. Lui, je l'ai eu. Double kill. Pas de santé. Ah merde, je l'ai vu au dernier moment. Où est-ce qu'il est ce foutu? D'accord. Hop, plus un point de santé, cool. Cool. Ça sert à quoi de me donner des clés s'il n'y a rien à ouvrir ou presque? Alors ici nous avons la room pause. Qu'est-ce que c'est? Légendaire, les boussoles ne marchent pas dans Killing Room, il te faut donc une room pause. Tu peux voir ce que contient chaque salle découverte. D'accord. Ok, cool. Pas très utile, mais cool. Vu qu'on finit forcément une fois qu'on rentre dedans par savoir. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon, c'est... Pourquoi pas? Alors, par exemple là-bas, on va tomber sur un truc bizarre avec un bleu là. Une pièce avec un machin bizarre. Un vendeur peut-être? Pas d'autres ennemis? Alors, où sont les autres? Il n'y en a plus qu'un? J'aime pas l'effet de flou que ça donne sur le reste. J'aimerais tellement qu'il y ait un coup de crosse ou n'importe quoi. Bon, apparemment, j'ai eu la pièce. Bon, j'ai plus de balles sur cette arme, hein, donc autant prendre une autre. Hop. Là, le fusil à verrou, on va dire. Fusil à levier. Hop, c'est bon. Fou, c'est compliqué. Toucher quelque chose avec ce pistolet, c'est compliqué. Ok, donc c'est simplement une arme qui a été déposée. Par là. Hop. Le pire des choses, ça aurait été qu'il les explose sur ma gueule. Hop, allez, mourez! Bon bah voilà. J'aurais bien aimé récupérer la santé là-dessus, mais non. Pas le roi non plus. Qu'est-ce qu'on a par là? Un point de santé en plus, 5 points de santé en plus, pardon. Ici on sait pas, donc merci le truc, hein.
Ah d'accord, ne pas savoir, c'est équivaut à ça. Ok, pourquoi pas. Ok. Ah merde! Ah, y en a un qui vient! T'es sérieux? Ok. C'est écœurant. Là, je pourrais récupérer plein de points de santé, j'en récupère jamais. Alors, des fois, t'es à 1m2 et il te repère pas, mais alors là. Ouais, c'est le téléporteur qui fait cet effet-là. D'accord, bon. Allez! Full health, y'a pas? Non, y'a pas. Bon, ça va être mort, ça, à tous les coups. Un item, ah, cool. Talon inutile. Pourquoi j'ai cru que ça allait être bien? Pourquoi j'ai cru que ça allait être bien? Pourquoi? Et en bas, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un re-switch d'armes? Ah putain, je déteste ces fichus les... Mais merde! Bon. Je déteste ces fichus lézards, hein, faut être honnête. Beaucoup trop de PV pour une mobilité trop importante, et à partir du moment où ils tombent au cac, tu es ralenti parce qu'ils te prennent aux dégâts, donc t'es légèrement bump. Et en plus, tu as beaucoup de mal à les toucher parce qu'en fait ils passent trop devant la caméra. Ils sont tellement animés qu'en fait ils se déplacent trop devant la caméra, en fait c'est impossible à toucher, t'es obligé de te barrer. Et donc faut espérer que le bump soit pas bumpé contre un mur ou contre un objet. Donc bon, bah c'est comme ça, écoutez. Eh bien écoutez chers amis, du coup merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yo!